Attal, c'était le premier espoir pour l'école parce que, pardon, mais dans ce domaine... Mais espoir la... Eh bien, laissez-moi, bah oui, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, une étoile filante est un espoir. Est-ce que je peux vous... Oui, mais vous voyez, vous me coupez au milieu alors que je vais vous dire quoi. Je suis méchante. C'est marrant parce que quand on dit pas ce qui est attendu, on est toujours... interrompu. Je vais dire quelque chose qui n'est pas attendu. C'est le premier qui ne nous a pas baratiné. Pas si vous voulez, qui nous... Enfin, moi, excusez-moi. Mais pardonnez-moi, Jean-Michel Blanquer avait tenu bien le même discours. Oui, bien sûr. Mais... totalement injuste, non, mais... et c'est faux. Bah, c'est faux. Non, ah, c'est faux. Pas... non sur le niveau Jean-Michel Blanquer... Non, mais c'est dingue. Hein. Alors, Sophie a le droit de parler, mais moi, je dois être interrompue à chaque fois que je parle. Ne me pourrissez pas l'émission. Ne faites pas la petite fille qui ne peut pas parler, parce que vous pouvez parler devant tout le monde. Mais j'arrive pas à finir une idée à chaque fois que vous m'interrompez. C'est incroyable. Je vais peut-être vous réconcilier. Tout le monde se met à me parler dessus. Écoutez, c'est la, à chaque fois, c'est la même chose. Je vais être très claire. Si vous continuez, si vous persistez dans cette attitude, vous quittez le plateau. Je vous remercie. Et on fait une pause.